c'est ce jeudi 23 juin à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le groupe TF1 que la chaîne a annoncé qu'un prime événement soufflerait les 20 ans de la série Un gars, une fille. Le retour des comédiens phares du programme que sont Alexandra Lamy et Jean Dujardin, Chouchou et Loulou, ne semble malheureusement pas être prévu pour l'occasion. Le prime sera une succession de reprises de sketchs avec d'autres comédiens. La série avait commencé en 1999 et s'était poursuivie jusqu'en 2003 sur France 2. Elle comptait 438 épisodes de 6 minutes environ. Elle y racontait, par le biais de mini-pastilles, la vie d'un couple, Alexandra et Jean. Un gars, une fille avait propulsé Alexandra Lamy et Jean Dujardin, au rang de star nationale. Les deux anciens tourtereaux ne cessent, depuis, de tourner pour le cinéma. À lire également On en sort fragilisé, Jean Dujardin présente le film Novembre sur les attentats au Festival de Cannes, vidéo, de nombreux guests avaient fait leur apparition dans la short et comme de France 2 comme le présentateur Nagui, la réalisatrice Mayouen, Claire Keim, Michel Bernier, Kad Merad, Elie Semoun, Amanda Lear ou encore Patrick Fiori. La série a pris fin en 2003, non pas par manque d'audience mais pour éviter de lasser les spectateurs avec des scénarios vus et revus. La série de Madagascar, Issimtsam diffusée sur la chaîne de télévision privée Viva Télévision, était directement inspirée d'un gars, une fille. La série Mère de France 2 fut également le fer de lance d'autres shorts comme Scène de ménage, diffusée sur M6 depuis 2009, ou Parents mode d'emploi qui officie sur France 2 depuis 2013. Malo Morcel.